Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage. Voilà, ça fait 2-3 jours, je ne vous ai pas fait de vidéo, désolée. Je vous avais mis un petit mot dans la communauté, sur ma chaîne. Ouais, Chouchou a été malade, je vous rassure, il va mieux. Moi, j'ai eu des examens médicaux à faire pour ma thyroïde, parce que le médecin disait que c'était pas bon pour mes résultats de prise de sang. Bon, ça va, rien de grave, mais bon, ça y est, ça coince. Mais on a découvert plein de nodules, voilà. Donc il paraît que ça grossit. Donc il y a plein de nodules, mais bon, maintenant c'est à surveiller. Donc on va surveiller. Là, je vais voir s'il va me changer mon traitement. J'y vais cette semaine. Sinon, bah, rien de neuf. J'ai fait du jardinage, du coup, parce qu'il fallait en faire. Je vous ferai une vidéo là-dessus, justement. Donc, j'ai commencé à bien avancer dans mon jardin. J'ai mis les canisses. Enfin, on a déjà mis deux rouleaux. Je vais racheter deux rouleaux là, le mois prochain. Donc, côté canis, on aura terminé ce côté-là. On sera tranquille. Ce côté-là, vous devinez lequel, hein? Côté poulailler. En plus, je suis super contente. Parce que mon voisin, bon, il nous parle bien, hein, je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je vous avais dit, à chaque fois, je vous parle du poulailler hein, dans mes vidéos en ce moment, mais bon, je ne fais pas une fixette, hein. Non, 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 je ne fais pas de fixette sur le poulailler, non. bon, j'en rêve pas encore la nuit, hein, donc ça va. J'ai le téléphone qui glisse. Oup, oup, oup. Voilà, c'est mieux. C'est quand, hier, avant-hier, enfin, je ne sais plus, là, bon, cette semaine. Il me dit, ah ben, je vais mettre des dalles, donc des dalles en béton, en ciment, enfin je m'en fous, supplémentaires dans le jardin, dans le sien bien sûr, parce qu'il va mettre sa deuxième voiture dans le jardin. Alors super, je vais avoir encore de l'ombre, encore plus pour mes plantations. Putain, il me gave, il me gave. Parce que du coup je regardais, mais moi j'ai plus de soleil, hein, j'ai presque plus de soleil pour mes fleurs de ce côté-là. J'ai du soleil de ce côté-là, mais arrivé le soir. Donc soleil-là, il n'est pas intéressant. Hein. Donc ça m'énerve maintenant, il va mettre sa deuxième voiture. C'est du grand n'importe quoi. Bon, au moins, je ne vois presque plus son poulailler. Je vois le haut, le plafond du poulailler. mais bon. Donc là, maintenant, comme il a fait une rallonge de poulailler pour que ses poules puissent se promener, tu parles, il doit mettre un brise-vue vert et puis il va mettre un truc comme du cuir, je ne sais pas quoi. Pour pas que ces poules viennent picorer mon bambou, mon canis. Il m'a dit ça il y a 5 jours. Hein. Il a toujours pas fait. Moi je m'en fous. Hein. Il met ces poules là, elles me bouffent mon brise-vue. Ben il me leur paye. Hein. Au bout d'un moment, Didite, elle est gentille, elle est calme, elle est sympa. Mais au bout d'un moment, elle gueule. Voilà. Donc là, maintenant, il va mettre sa deuxième bagnole pourrie. J'en ai marre. Donc là, bon, j'ai commencé mes plantations. Alors, je vous raconterai ça dans la vidéo, mais j'avais une arcade, vous savez, qu'on monte soi-même, que j'avais achetée il y a, oh là, il y a plus d'un an. Je crois même que ça va faire bientôt 2 ans, mais je ne l'avais jamais montée. Elle était encore emballée avec le scotch et tout. Et il manquait des pièces dedans. Là, on a fait du MacGyver. Bon,
Ça ne se voit pas trop, mais bon, quand la plante aura poussé dessus, c'est tout, ça ne se verra plus. Mais du coup, je ne pouvais plus le ramener. Voilà. Mais bon, tout ça, je vous expliquerai ça dans la vidéo jardinage que je vous ferai. Je ne sais pas quand, mais enfin, j'essaierai de vous la faire dans la semaine. Ou... Voilà. Mais je vous dis encore, je ne fais pas de fixette sur son poulailler. Non. Bon, non, aujourd'hui on parle coloriage. Donc aujourd'hui, j'ai attaqué un nouveau dessin d'Emmanuel Colin. Voilà, je suis revenue à mon petit amour d'Emmanuel Colin. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un dessin de la petite jeune fille qui a des coquelicots dans la tête. Voilà, avec une libellule. Alors les coquelicots, donc vous allez voir, je n'ai pas fait les coquelicots rouges, non, j'avais pas envie. C'était trop facile de faire les coquelicots rouges, donc je ne les ai pas fait rouges. Non, j'avais pas envie, puis ça me plaisait pas de les faire rouges. Donc vous verrez la couleur que je les ai fait, je n'en dis pas plus. Par contre, il n'y a que deux fleurs de fée là pour l'instant dans ce coloriage parce que ça a été très long à faire. Là, les deux fleurs m'ont pris 1 heure et demie parce qu'il y a beaucoup de mélange de couleurs. Donc, il n'y a que deux fleurs dedans. Petit changement dans la vidéo de coloriage cette fois-ci. Alors, j'essaierai de faire ça sur les vidéos de coloriage que je ferai maintenant. Je vous ai mis à chaque fois en incrustation dans la vidéo les crayons que je prends. Parce qu'à chaque fois, vous voyez quand je change de crayon, mais je ne vous mettais pas les couleurs sous la vidéo, enfin en incrustation. Et là, je vous l'ai mis. Comme ça, bah, vous voyez quel crayon je prends quand je fais mon coloriage. Donc là, cette fois-ci, je vous l'ai mis. J'essaierai de le faire à chaque vidéo coloriage, surtout si j'oublie pas. Parce que ma petite tête de poisson rouge, comme je sais que j'avais dit que je mettais aussi les crayons Action ou d'une autre marque dans les barres d'infos, je sais que là je l'ai fait une fois, puis ça y est, à chaque fois j'oublie. Là je vais essayer de ne pas oublier cette fois-ci de le mettre. Les correspondances, voilà. Je vais essayer de ne pas vous l'oublier cette fois-ci. Donc là, j'ai mis en incrustation dans la vidéo les numéros de crayons que j'utilise à chaque changement. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire et vous intéresser, cette façon de faire. Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Je sens l'odeur de la cuisine. C'est pas moi qui cuisine aujourd'hui. C'est Chouchou qui cuisine. Il fait un cassoulet. Miam, 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 miam. Ça sent bon. Alors aujourd'hui, il fait un cassoulet. Hier, il a fait un pudding. Vous savez, avec le vieux pain, on fait du pudding avec des raisins au rhum et tout. Hier, il a fait ça. Je sais pas, il cuisine là en ce moment. Et là, je sens l'odeur du cassoulet. Il est quelle heure? 10 h du matin. Ça va me donner faim. Mais bon, c'est pas pour ce midi, c'est pour ce soir. Parce que nous, on ne mange pas le midi. On ne mange pas le matin, on ne mange pas le midi. On ne mange que le soir. Oui, je sais, nous sommes des extraterrestres. On ne mange pas. On ne mange qu'une fois par jour. On fait un petit goûter de temps en temps, l'après-midi. Quand il y a un gâteau, que moi j'ai fait un gâteau. Ou là, comme Chouchou en a fait un hier, donc il en reste. Mais sinon, on ne mange pas le matin et on ne mange pas le midi. Voilà, on ne fait qu'un seul repas par jour, c'est-à-dire le soir. Oui, nous sommes des extraterrestres. Oh non, non. Bon, ça ne m'empêche pas de grossir. Hein. Bon. Malgré ça. Sinon, j'avais encore un truc à vous dire, mais bon, je ne sais plus, comme d'hab. Je sais plus. Allez, bon, tant pis, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Voilà, je vais vous parler comme une extraterrestre.
Et je vous retrouve donc très rapidement pour une nouvelle vidéo et plein de belles choses comme d'habitude et de nouvelles aventures. J'ai tout dit à l'envers aujourd'hui. Je sais plus. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à me mettre des commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus et à me dire ce que vous avez pensé de que je vous mets les crayons, le numéro de crayon en incrustation. Voilà. Allez, à bientôt. Bon visionnage. Bisous, bisous.
Thank you.